Salut, salut! Bienvenue sur Another Homepage. Comme toujours, c'est Niels. Et on se retrouve pour un deuxième épisode de Bidouille Réseau. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Salut à toi, Xavier. Alors, hop, on s'installe. Hop, bon. Alors, donc. Bidouille Réseau, qu'est-ce qu'on avait en gros l'idée? Tu allais me contacter sur le chat pour s'y avancer. Oui, effectivement, je suis un peu à la bourse même ce soir. Désolé. C'est-à-dire que j'ai voulu faire certains trucs avant de lancer le live, notamment câbler quelques interfaces réseau par rapport au potentiel bidouille qu'on pourrait faire ce soir. Et je me suis dit que ce serait mieux de passer les câbles maintenant. Plutôt que de les passer en plein live, comme j'avais pu faire notamment avec la fibre justement la semaine dernière. Qu'est-ce que. Je voulais me connecter à un truc, mais je ne sais plus quoi. Hey, merci pour le sub! Oh, c'est trop chouette! Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup! Puis en plus, ça doit faire un petit bout de temps que tu subs. Oh punaise, 19 mois! Oh, il est en route pour les 20 mois, Xavier. Merci beaucoup. Merci tout plein. C'est trop chouette. On commence à avoir des gens qui sont là depuis vraiment un bon bout de temps. Ça fait super plaisir de te voir toujours fidèle. Désolé, j'en perds mes mots tellement je suis ému. Bon, je vais pas non plus en pleurer, hein. Faut pas exagérer, mais il n'empêche que ça fait chaud au cœur. Donc encore merci. Je perds mes fenêtres et mes onglets. Hop, voilà, le chat il est ici. OBS il est là. Bien, bien, bien. Et qu'est-ce que je voulais d'autre? Je voulais alors avoir ici ça et ah oui et ça là voilà hop bien 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 alors la semaine dernière j'ai commencé à faire jouer avec un vieux Switch Cisco. Je sais pas si vous avez vu, mais la semaine dernière, donc on a fait le jeu avec un vieux Switch Cisco, un Switch de gamme Small Business. Le modèle, c'est un SG300. Alors, je vais retourner sur le site de Cisco d'ailleurs. Et ce qui est chouette avec ce Switch, c'est que notamment, on peut faire joujou avec l'interface en ligne de commande, tout comme on peut faire joujou avec l'interface web. Alors j'avais montré un peu l'interface web la dernière fois. On avait fait. J'avais remarqué d'ailleurs que finalement l'interface web était un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus jolie que ce que j'avais pu voir dans le passé. Parce que moi je me rappelle de trucs du genre des 2950 ou des 26000, notamment des routeurs, où franchement l'interface web, enfin, on ne veut pas s'en servir. C'est inutilisable c'est en quelque sorte un trou de sécu. Alors, on va se remettre d'ailleurs sur ça. Voilà. Tenez d'ailleurs, je vais. Pourquoi FRCA? Non, je ne veux pas me mettre en FR canadien. Hop. Europe, France. Hop, on va se le mettre en français, hein, mais. Ah non, c'est qu'il n'y a pas le. Il nous fait revenir à la page. Et si je mets de ci... si je mets ici FRFR, ça passe. Alors. Page not found. Ah, c'est peut-être FR avec un FR majuscule. Non plus. Donc en gros. En gros, c'est canadien.
Ah, il y a peut-être un ENUS. Ouais, bon, c'est pas grave, ça va suffire. De toute façon, y a pas grand-chose de fantastique. Je vais vous envoyer le lien quand même. Alors, on n'avait pas regardé, je crois, Non, on avait regardé les tarifs d'un autre switch que j'ai, qui est donc le HP 1810G. Mais on n'avait pas regardé les tarifs du SG300 sur les sites d'occasion et de vente aux enchères. J'ose espérer que ça reste comment dire, du domaine de l'accessible. Honnêtement, vu l'engin que c'est, je serais assez étonné que ce soit. Bah, justement, en fait, ce switch Cisco est quand même bien plus a plus de fonctionnalités que mon HP, même si mon HP, pour ce que je lui demande, c'est-à-dire 1 d'être fanless, 2 de gérer potentiellement les VLAN, et 3 un moyen de backupper la conf de temps en temps. Alors je j'arrive pas à le faire en automatisé, mais ça c'est un autre débat. Mais il fait le job. Il fait le job. Après, j'ai utilisé récemment, enfin récemment, il y a moins d'un an, des HPE qui étaient beaucoup plus, comment dire, un petit peu plus élevés en termes de gamme parce que ces HPE-là avaient des interfaces en ligne de commande et c'était déjà un petit peu plus, comment dire, bah, un peu plus de fonctionnalités quoi. Après, c'est vrai qu'au début, quand on a l'habitude du Cisco, passer sur une autre syntaxe, c'est pas évident. Donc je sais pas si c'est, je crois qu'on appelle ça la syntaxe comware. Donc je sais pas si Xavier c'est ce que tu as eu toi, ou est-ce que si tu t'es retrouvé comme moi avec un truc d'entrée de gamme où tu as juste une interface web, et j'imagine que vous devez entendre l'avion ou l'hélicoptère qui passe. C'est juste qu'on a laissé ouvert à nouveau, parce que je vous avoue que bah, si on referme, il fait très vite ultra chaud en fait. Je sais pas comment on va faire pour les prochains streams. Salut Vinichor! J'espère que ça va, j'espère que tu as passé un bon week-end. Donc, ce que je voulais. Hey, on a des nouveaux. Salut à toi Abdelkera, bienvenue. HP avec interface Java. Oh là là. Oh, interface Java. Oh, je compatis. Ah, oh, je compatis. Pas si nouveau que ça, mais oui, mais il y a quand même écrit first time chat, donc long time lurker peut-être. Mais en tout cas, c'est très gentil de te joindre à la conversation. Donc merci à toi quand même. Alors, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec le fait de parler rarement. Je sais que, enfin, il m'arrive de vous. Donc j'ai l'interface avec le. J'ai l'interface du chat, je vois la liste des utilisateurs. J'ai remarqué que certains ou certaines ne parlent pas beaucoup et c'est pas grave. C'est à la limite déjà rien que le fait de reconnaître certains logins, ben moi ça me fait déjà super plaisir en fait. Donc merci beaucoup Abdelkira pour ton compliment. Alors ce que j'avais envie de voir un petit peu. Parce que comme je vous ai dit, ça fait déjà quelques mois que j'ai plus vraiment touché à de la config Cisco. Et ce que j'aurais aimé, c'est remettre la main sur certains trucs. Ah voilà, on a un starting the web. Donc non. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait aussi activer le. Ah, on va rigoler, tiens, on va repartir sur là où on en était la dernière fois. Alors, donc, à la base, la semaine dernière, vous savez que je m'étais connecté en interface série. Et qu'ensuite, on avait vu que le switch avait récupéré une IP tout seul grâce au serveur DHCP de ma box. Et que donc, ensuite, on avait pu se connecter à l'interface web en lançant une petite commande pour activer cette interface web. Alors, t'as jamais touché à du Cisco, tu pensais t'en acheter un pour gérer le réseau de ton home lab plutôt que d'utiliser la box SFR. Oui, tout à fait, Xavier, j'utilise pour l'instant un cap console. Salut à toi, Karken! Alors, Abdelkira, ça peut être une bonne idée, oui. Ça peut être une bonne idée
si tu as envie de toucher à des technos de type VLAN, potentiellement agrégat de port. Après, attention à ce que tu. Comment dire? D'une part, attention à ce que tu achètes. D'autre part, attention à avoir les accessoires qui vont bien. Je parle en l'occurrence de ce fameux petit câble bleu. Alors moi je suis passé en cap série, hein. J'ai un cap série parce que le SG300 c'est du série, c'est du nul modem même. Mais selon les Switch, tu seras peut-être content d'avoir ce petit câble bleu que je vois si jamais tu l'achètes d'occasion, s'ils le fournissent ou pas. Et si tu n'en as pas déjà un et que tu vois que ce modèle-là nécessite un câble console comme ça, pense à te l'acheter et à t'acheter aussi un adaptateur USB série. Parce qu'à mon avis aujourd'hui, un ordinateur moderne qui a un port série, c'est. Alors si tu veux faire du VLAN et une DMZ, effectivement, ça peut être une bonne idée d'acheter du Cisco. Du Cisco, on va dire, refurbish. La difficulté que tu auras peut-être. Mais non, mais non, mais je veux pas de la pub, je veux pas de pub, non, non, non. J'ai toujours pas résolu ce problème, ça, je vous avoue, je manque un peu de temps en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a le souci de la musique. Je ne sais même pas si Owned, la playlist là que vous avez, s'ils ont fini par revenir sur Spotify. Parce qu'en gros, j'utilisais la playlist Spotify. Et. Alors. Et non, leur playlist Royalty Free est toujours. Il y a un Home de Music Radio, mais c'était la même chose. Et je suis pas sûr que les trucs soient vraiment Royalty Free. Il y en avait dedans, mais j'ai un doute, donc je ne vais pas changer la playlist. Bref, pour en revenir ouais, sur les conseils d'achat, un autre truc aussi, attention au firmware. Attention au firmware. Il faut savoir que les firmware des Switch Cisco, selon les modèles, ne sont pas téléchargeables librement. La semaine dernière, on a vu, bah, je peux vous remontrer. Et merci beaucoup pour le follow, You're not what you own. Pseudo très engagé, mais merci beaucoup pour ton follow. Le truc, c'est que on était allé voir, voilà, dans les téléchargements, on pouvait aller prendre le modèle. Alors moi, je crois que j'avais pris, j'ai le modèle 24, 28 ports, je crois. Voilà, SG328. Et donc, sur ce modèle de Switch. On peut aller récupérer, voilà, les derniers firmware. On a même un truc avec toutes les versions, donc on peut, si ça nous amuse, mettre une ancienne, pas trop s'il vous plaît quand même, une ancienne version et tester l'upgrade. Donc ça c'est sympa, mais ça n'est pas valable pour toutes les gammes. Typiquement, si par miracle vous trouvez, je sais pas moi, des Nexus par exemple, vous aurez sans doute une problématique qui sera que Cisco va réclamer que vous ayez un contrat de maintenance avec une entreprise. Contrat qui, bien entendu, ne sera pas gratuit. Je vais répondre à ta question, Adelkera, dans un instant. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on est bien souvent tenté d'aller télécharger des firmware plus à jour dans des endroits pas forcément très officiels. Donc, attention sur ce genre de choses-là. Renseignez-vous quand même sur le modèle que vous allez acheter avant de l'acheter. Surtout qu'en plus, d'après ce que j'ai compris, le système de licence chez Cisco a changé. Alors je sais plus pour quel modèle, j'ai pas eu de détails plus, et je vous avoue que ces derniers temps, comme je ne touche plus à des Switch Cisco, je n'ai plus, comment dire, je ne m'y intéresse plus vraiment en tout cas.
Et en fait, visiblement, des fois, il y a des systèmes d'activation selon les modèles, de switch ou de routeur d'ailleurs, voire même, pourquoi pas, de firewall. Donc attention, attention au modèle que vous achetez. Renseignez-vous avant de cliquer sur le bouton acheter pour voir si le switch que vous allez prendre vous permettra, enfin, si vous aurez un firmware, entre guillemets, relativement récent dedans, ou alors que vous ayez un moyen de récupérer un firmware et de vous assurer que le firmware est, comment dire, bah que l'origine du firmware est, on va dire, au-dessus de tout soupçon. Donc ça, c'était par rapport au firmware et aux différents modèles de switch. Adelkira qui dit du coup un simple switch suffit, pas besoin d'acheter un routeur. Alors, ça dépend de ce que tu vas vouloir faire avec ton home lab. Chaque home lab est différent. Ce qui peut être amusant avec des switch managés, que ce soit du Cisco, du HP, du Juniper ou autre, c'est aussi donc de pouvoir scinder notre switch en plusieurs switch logiques avec des VLAN. À ce moment-là, tu auras peut-être besoin que certaines machines fassent du routage aussi. Je ne sais pas combien d'interfaces réseau vont avoir les machines, par exemple, de ton home lab. Par exemple, là, moi, je sais que ma machine de home lab, en plus de la carte out of band, elle a 4 interfaces réseau. Alors, habituellement, j'en utilise qu'une. Et là, juste avant le stream, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'étais en retard, j'ai câblé les 3 autres sur le switch Cisco. Alors je ne l'ai pas vraiment tout à fait câblé, hein. J'ai juste présenté les câbles juste devant les ports. On verra ensuite comment couper les ports et je pourrai ensuite vraiment clipser les prises RJ45. Donc a priori au début peut-être pas besoin, en tout cas tu pourras faire sans. Tu pourras peut-être même réutiliser une machine pour faire office de routeur si ça t'amuse, voire même une machine virtuelle. Tu pourras, selon le matériel que tu as déjà, tu pourras t'amuser. Salut à toi McFly, hein, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon week-end. Et you're not what you own, bah, je t'en prie, ça me fait plaisir. Pentester essayant d'apprendre le français. Ah, donc le français n'est pas ta langue maternelle. Eh bien, bienvenue encore. J'espère que tu arrives à comprendre ce qu'on dit. Et si jamais il y a des mots qui te gênent, que tu as du mal à comprendre, n'hésite pas. Bien, alors, on va se reconnecter sur le switch donc via l'interface série avec notre bon vieux Minicom. Vous remarquerez un truc, c'est que là, je le lance en tant qu'utilisateur simple. Alors, pourquoi est-ce que je le fais en tant qu'utilisateur simple ? Pour une raison très bête. Enfin, pour une raison très bête. Pour une raison très simple, c'est que j'ai mis mon utilisateur dans le groupe Dialout. Salut à toi, Nebed. J'espère que ça va, j'espère que tu as passé un beau week-end. Et donc, en fait, quand on est en tant qu'utilisateur Dialout, on n'a plus besoin de passer route pour utiliser Minicom. Donc, c'est assez pratique. Tu as 2 Dell Optiplex avec du Proxmox dessus, une dizaine de VM pour plein de trucs différents. Tu as besoin d'isoler une partie et créer une DMZ pour des pages vitrines. Tu pourras par exemple avoir des VM dans un VLAN, des VM dans un autre, et pourquoi pas faire des routeurs virtuels. Potentiellement même, selon comment tu paramètres les choses, tu pourras utiliser des distribs de firewall type PFSense, OPNSense et autres. Alors il me demande le mot de passe. Alors le mot de passe, hop. Il est là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme... Qu'est-ce qu'on avait gardé comme... ouais, oui, IPFire, effectivement, Xavier. Bah, je t'en prie, Abdelkara. T'es passé sur un K6-2, grosse avancée technologique. Ah là là. Et tu vas voir, quand tu vas passer sur les Pentium 3 et 4, ça va être ouf. Ça va accélérer Internet. On n'a pas... Ah bah tiens, qui voici, qui voilà.
Mais c'est que ce serait une habitude, monsieur Chaos. Merci beaucoup pour le raid. Ah, ça c'est chouette. Allez, venez, venez les raideurs, venez. Allez, 29 personnes, mais c'est génial, tu me régales, Chaos. Qu'est-ce que vous avez fait de beau chez Chaos? Tiens, je vais tout de suite, pendant que j'y pense, je vais lancer tout de suite, parce que je sais que j'y pense souvent trop tard, le shootout pour monsieur Chaos. Hop là. Que vous pouvez aller follow les yeux fermés. Et merci beaucoup pour, pour le. Si, ça, il y a un follow. Tac, 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 tac. Je remonte. Donc, bonsoir à toi, Seb. Et donc, merci pour le follow. Iti? Hi, peut-être? Effectivement, pourquoi pas du microtique, mais honnêtement, pour microtique, je ne peux pas parler en connaissance de cause, Vinichor. Je n'ai jamais touché à ce genre de matériel. Mais d'après ce que j'en ai entendu parler, ça fonctionne pas trop mal. Alors, Chaos, donc qu'est-ce que vous avez fait chez Chaos? Et puis en plus, merci aussi pour le follow 772, merci à toi. Hop, et Seb72 qui me dit, on était dans l'espace, il a hacké une navette spatiale. Oui, E.T. Ah, ok, d'accord. Hop là. Eh ben, merci pour votre venue. Merci à tout le raid de Chaos. Mais il n'y a pas de souci, E.T. De toute façon, il y a un replay. Et puis, il y aura. Alors, moi, où est-ce que j'en suis? C'est une bonne question, tiens, Seb. Eh bien, en fait, la semaine dernière, on avait commencé à faire joujou avec un vieux switch Cisco. J'ai démarré un poêle tard parce que j'ai câblé d'autres câbles sur le switch Cisco. J'ai mis des petits RJ45 sur mon home lab. Mais il n'y a pas de souci, Talvikissa. Je peux comprendre, vu l'heure, effectivement, ça va être l'heure de faire à manger. Ben, merci beaucoup, et puis bah, bonne soirée à toi aussi. Et puis bah, si jamais tu as envie de repasser, il n'y a pas de problème. Et puis il y aura le replay si jamais ça vous amuse. Donc, on vient de se reconnecter avec l'interface série. Et ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais réactiver, je pense, l'interface d'administration en HTTP. Je vais l'essayer en HTTPS. Et puis après, on essaiera d'autres moyens d'administrer à distance le switch pour ne pas avoir à se connecter en interface série. Donc, de ce que je vois, on n'avait pas sauvegardé la configuration. Pour activer l'interface web, parce que c'est vrai que dans l'absolu elle est pas très sécure, mais on va se remettre dessus, donc on va se faire un petit. Alors, configure terminal, ça se virtualise en plus routeur OS si jamais. Hein? Alors, moi j'avoue que pour les routeurs virtuels, et je parle de routeur, hein, je parle pas forcément de firewall, j'ai beaucoup apprécié faire joujou avec VaiOS, mais normalement les habitués de la chaîne le savent déjà. Alors, configure terminal. Ensuite. Non, attends, avant. Avant, je voulais voir un autre truc. C'était. Donc, je reviens en arrière et je nous fais un petit show interface status. On a donc toujours le GI27 qui est là. Ok, donc ça, c'est l'interface. Ok. Et on va faire show IP interface. Voilà. Donc en gros, j'ai une interface virtuelle qui est VLAN 1 et qui est toujours en 6213. Et je crois qu'on avait vu, hein, si j'avais tenté un ping, si j'avais tenté un ping 1 point, je crois que ça. No host. Ah oui, hein, allez, hop, voilà. Donc ça fonctionne. Donc là, mon switch, il peut même aller sur Internet. C'est un peu la fête. Et donc, j'en étais où? Configure terminal. Et donc, ce que j'avais envie de vous refaire, c'était de faire un IP-HTTP serveur. Voilà. Donc, on avait dit que c'était 6213 l'interface. Donc, on peut revenir ici et faire un HTTP 2.//192.168.6.213.
avec le même login. Alors c'est vrai que je me suis connecté sans avoir... Si, j'ai retapé le mot de passe tout à l'heure. Je vous ai remis le mot de passe. Hop. Alors, je le copie-colle parce que c'est un petit peu casse-pied sinon. Hop, login. Voilà. Et alors, ce qu'on peut se dire, c'est... Mais c'est un peu tout nul, c'est de l'HTTP. Est-ce que le Switch ne serait pas capable de faire de l'HTTPS? Donc, on va refaire la même chose en HTTPS. Et là... hop. Accepter le risque et poursuivre. Et donc, on a bien une interface en HTTPS. Alors, par contre, ce que je n'ai pas fait, c'est de regarder si par hasard, hop là, reviens par là l'interface. Donc on peut s'y reconnecter à nouveau. Hop. Mais ce que je me demande, c'est, à mon avis, le HTTPS qui est proposé. Étant donné les performances de la machine, hein, pour rappel, c'est un petit ARM, c'est un petit processeur ARM avec genre, je sais plus, 64 ou 128 MB de RAM. Ok, il le fait quand même en HTTPS. Bon, je lui dis connexion non sécurisée. Plus d'informations. Qu'est-ce qu'on a? TLS RSA avec AES 128, SHA 256, 128 bits, TLS 1.2. Ah, on a quand même du TLS 1.2. Donc les dernières... les dernières versions du certificat de base, ou en tout cas le truc de l'HTTPS est... Et alors la question que je me pose, c'est est-ce que je peux faire un IP HTTP... Ah, je peux faire Secure Server. Ok. Et si je fais un no IP HTTP... serveur, voilà, et que je reviens ici, donc en toute logique, ça devrait plus exister. Ah, il me renvoie un HTTPS, ok. Alors, je vais me déconnecter pour être sûr que j'ai pas de... Mais vas-y, ouvre la pop-up, qu'on rigole. Allez, il me l'a mis ici, hop. Est-ce qu'on veut se déconnecter? Oui, on veut se déconnecter, pas de soucis. Ok, et si je retente cette fois-ci un HTTP 168.6.213, j'ai dit 213, il me rend... Alors, ah punaise, c'est pas possible, c'est... Je suis en train d'envisager de couper la musique carrément, hein. Honnêtement... il nous le remet en HTTPS. Alors, ce qu'on va faire... C'est qu'on va tenter un truc, on va faire un petit curl. Hop. T'as un hub 10 mégas, ça va vite à côté du nul modem. Bah, le nul modem, honnêtement, si c'est juste pour rentrer des commandes, c'est amplement suffisant en fait. Hein. Donc on a dit 192.168.6.213. Hop. Et voilà, il n'arrive pas à s'y connecter. Par contre, si je tente un curl moins K en HTTPS. Voilà, donc là on a un truc. Juste pour la... Et là il me redit à nouveau, alors on va faire un curl moins L, pas s'embêter la vie. Voilà. Ok, et là il nous fournit au moins un retour. Alors, ce qu'on va faire, histoire d'éviter... Hop, on va faire un curl moins i, tiens. Voilà. Et donc il finit par nous dire, tiens, c'est quoi ce truc Go Ahead Web S? Ok. Mais toujours est-il que voilà, ici on a quelque chose et en HTTP on n'a rien du tout, il n'arrive plus à se connecter. Donc notre configuration actuelle. Donc vous voyez que quand on a fait le no devant la commande de tout à l'heure, en fait ça nous a désactivé la fonctionnalité. Hop,
Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un petit copy run start. Ah oui, c'est vrai que... Voilà. C'est un petit copy run start, comme ça au moins on aura à nouveau l'interface web en mode secure. Ce sera juste pour avoir un service. Maintenant, il y a moyen de se connecter autrement. Parce que là, on avait l'interface web, mais on a convenu qu'elle était pas ouf. Ah, tu as un serveur de fichiers, c'était long pour télécharger. si c'était pour un serveur de fichiers, la liaison nul modem, effectivement, c'était long. Où en étais-je? Ah oui, je voulais activer une autre interface à distance. Ce qui serait cool, ce serait qu'on avait une interface en ligne de commande à distance. Hop. Alors. Et parmi les trucs dont je... Ah, si. On a... Tac. Alors. Je fais IP. Non, on n'a pas. On l'a plus comme ça. Ah, flûte. Ah oui, je suis sorti de mon de configuration, c'est pour ça. Tac, et si je fais IP... voilà, IP telnet. IP telnet serveur. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je peux faire, est-ce que j'ai telnet d'installer? Non? Allez, bon vieux Telnet. Hop, allez, Telnet 180.168.6.213. Admin. Et le mot de passe. Hop. Tac, et je suis dessus. Donc là, je peux me débrancher de ma console série si ça me chante. Hop. Voilà, je peux me débrancher de ma console série si ça me chante. Je suis connecté. Et ce qui est amusant, c'est que vous pouvez voir ici, on a des messages d'information sur la console série. On les avait déjà vus tout à l'heure quand j'avais eu la désactivation, quand j'avais eu... Mais c'est ça, voilà. La connexion HTTP a été faite, la connexion HTTPS avait été faite. Voilà. Et là, on l'a aussi... pour la session en CLI. Alors, ce que je vais refaire, c'est que je vais refaire un petit copy run start. Voilà. Juste pour sauver la config. Et on va revenir de ce côté-là. Alors, je montre Telnet parce que c'est marrant à voir qu'il y a eu... Il a existé un protocole avant SSH. Mais honnêtement, je vous invite à le plus possible essayer, utiliser plutôt OpenSSH ou utiliser la connexion SSH pour peu qu'elle soit disponible. Et c'est pour ça que je parlais des problématiques de firmware sur les switches d'occasion que vous risquez d'acheter si vous achetez des switches d'occasion en Cisco. Demandez au vendeur si le switch sait faire du SSH. Voire même demander le nom du fichier du firmware. Généralement sur les gammes, je pense aux gammes Catalyst de Cisco, parce que c'est la gamme que j'ai le plus rencontrée dans ma vie pro. Généralement, on va mettre ce qu'on appelle des firmware K9. C'est-à-dire qu'ils contiennent les instructions cryptographiques pour pouvoir justement activer SSH. Et comme le dit Xavier, effectivement, Telnet n'est pas sécurisé. Est-ce que ça vous tente, je suis en train de penser à un truc, est-ce que ça vous tenterait qu'on essaye de faire, quand la mobilette aura fini, la mobilette a l'air d'être partie. Je suppose que vous l'entendez pas mal aussi la mobilette. Donc,
Alors, est-ce que ça vous tente? Je l'avais pas forcément prévu, mais on pourrait peut-être lancer, on pourrait peut-être lancer un TCP dump ou un Wireshark et faire en sorte que le. Il en a mis du temps à copier la config. Qu'on essaye de retrouver le login et le mot de passe, voire même les commandes qui sont tapées. Ça pourrait être amusant, ça. Alors, Cisco, c'est une nouvelle marque, oui, comme Nvidia. Ah oui, on entend la mobilette. Hey, salut, salut Emmanuel, j'espère que ça va. Hop là. Allez. Donc, là, j'ai mon onglet avec ce que je vais pouvoir faire, ma connexion Telnet. Ensuite, je vais me mettre ici. Je vais me mettre ici. Sudo. Hop. Oh non, ça va, ça met de l'ambiance dans le chat, Nebed. Je voudrais juste hop, faire ça ici. Alors, mon interface, c'est la ENP3S0. Donc, sudo TCP dump. Et on va filtrer un peu les trucs. Moins N, moins I, ENP3S0. Et on va faire en termes de filtre, ça va être du TCP. Je sais plus si on peut faire TCP port 23. Ça passe ça? Tac, 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 ouais, ça passe. Donc si je tente une connexion comme ça, tac. Là normalement, on a eu plein de trucs. Ok. Je vais couper ma session Telnet. Voilà. Là pour l'instant, on n'a rien eu. Mais ce qui m'intéresse. Je crois que je vais refaire un petit man TCP dump. Et c'est moins W, je crois, hein, pour écrire dans un fichier. Ouais, moins W file. Voilà. Moins W, et on va faire telnet. Mais écoute ce que tu dis sérieux. J'écoute ce que tu dis sérieusement. Ok. Ah bah écoute, c'est très gentil, Nebed. Merci. Et on va l'appeler donc telnet.pcap. Voilà. Alors, là c'est lancé. Alors on n'aura plus rien. On n'aura plus rien. Et alors ce que je me dis c'est que. Alors si je fais. Si je fais plutôt. IP, non, un host 192.168.6.213. Ça devrait passer ça, si je retente. Si je fais ça, que je fais ça et que j'exit, contrôle D, ça marche aussi. Ouais, j'ai des trucs. Donc, voilà, moins W, telnet.pcap. Voilà. Donc là, sur mon interface réseau, je suis en train de capturer le trafic. Donc, sur l'interface réseau ENP3S0, je filtre sur le port TCP 23 et je filtre sur l'hôte d'IP 192.168.6.213. Généralement, on devrait d'abord filtrer sur l'IP et ensuite sur le port, mais bon. Et donc, ce que je peux faire, c'est faire ça. Je telnet. Alors le mot de passe, j'en ai fait quoi? Il est là, je le colle. Et ensuite, eh ben, tiens, on va faire un show run. Hop, voilà. Voilà. Et ensuite, je vais faire un exit. Et on va s'arrêter là. Voilà. Donc là. Alors, qu'est-ce que vous racontez de beau? Je suis de très près, ce que tu fais, c'est un plus pour ton XP. Oh bah, merci Seb. Vous écoutez tous très sérieusement. On n'est pas en classe non plus, hein? Est-ce que j'ai Wireshark quelque part? Wireshark. Ouais, je l'ai, Wireshark. Alors, hop.
C'est dimanche quand même, vous n'avez pas allé à l'école le dimanche. Hop, allons-y. On va ouvrir. Alors, on va ouvrir. Je l'ai mis où mon Telnet? Il est où? Hop. Hop, telnet.pk. Voilà. Encore un très bon prof. Merci. Ah zut, j'ai dézingué ma fenêtre. C'est pas grave, on en a plus besoin. Ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Ah et je l'ai encore fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça, 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 ça. Voilà. Et je vais rouvrir des sessions en gros plan. Voilà. Très bien. Donc, j'ai mon Wireshark. Voilà. Alors, je vous avoue que ça fait des lustres que j'ai pas essayé de faire ça. Donc, si ça se trouve, ça va durer un petit peu. Le temps de retrouver le biniou. Et donc... on peut aller rechercher, en fait, dans tcpdump. Enfin, pas dans TCPDM, mais dans la capture réseau. Voilà, on a des informations. Alors, je sais pas trop si ça va se voir. Est-ce que j'ai pas moyen d'aller lui dire en affichage de se mettre peut-être en... Ah, on peut coloriser les conversations. J'aurais aimé qu'il zoome un peu. À aller démonter et à repeindre. Zoom, c'est bien ça. Allez, zoom in, contrôle plus. Alors, McFly, je n'en ai pas la moindre idée. Hop, voilà. Ça, ça m'a l'air pas mal. Donc là, en fait, on a les différents... en fait, au milieu, ici, on a quelque part les informations brutes. Là, à gauche, on va avoir, en fait... les différents niveaux du modèle OSI. Donc là, on est vraiment au niveau de la frame. On voit que c'est une frame Ethernet, donc on peut aller... On est dans un paquet Ethernet. Ensuite, on a la source, la destination. Et puis... Eh, hey, merci beaucoup pour le follow, Roukoul. J'espère que tu n'auras pas besoin de te créer un autre pseudo quand tu auras évolué. Alors. Donc, où est-ce que j'en étais, moi? Donc là, on a le truc pour le fait que c'est un paquet Ethernet avec la source, la destination. Et on peut même voir, voilà, on a l'adresse MAC du switch. Normal, tu es admin réseau très junior. T'inquiète. Ça viendra. Et puis on a la source. Hop, micro ST quelque chose. Bon bah c'est l'adresse MAC de ma machine, hein, forcément. Donc dans notre trame Ethernet, on a des paquets IP. Enfin en tout cas un paquet IP et on peut voir voilà, le détail du paquet IP avec l'adresse source. Donc vous voyez en plus quand je clique sur les trucs à gauche, vous voyez qu'en surlignant, ça se met sur les... est-ce que je peux pas le... Ah ouais, non, il se... Hop. Ici, voilà. Donc, on a le côté hexadécimal qui correspond, qui est surligné. Et on voit bien, source adresse, hop, adresse de destination aussi. Et ensuite, eh ben, on va passer d'une couche à l'autre du modèle OSI avec voilà, le port source, qui est donc un port au-dessus de 1024, qui est un port random normalement. Port destination, stream index... Tac, 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 conversation, TCP. Et on a ensuite, on voit qu'on a du SYN. Ok, et là, vous voyez, à chaque fois que je déroule, hein, on peut vraiment aller dans le détail. On a même les options TCP, les timestamps. Mais pour l'instant, à part nous dire qu'il est sur le destination du port, il n'a pas encore vu que c'était du Telnet Wireshark. Wireshark est quand même assez fort pour décoder les protocoles aussi. Et donc là, on a le SYN hack, enfin SYN. Là, on a vu le SYN, là, il y a le SYN hack, et là, il y a le hack, donc qui sont la poignée de main en trois étapes, en TCP. Et ensuite, on a le Telnet Data.
Alors normalement, si je dis pas de bêtises, on peut voir ici, voilà, hop, source, destination, et puis on voit mon ordinateur qui est en 6.1 qui dialogue avec le switch qui est en 6.213, et il se répond. Mais on a des trucs, voilà, on a du telnet data, on a du TCP pur, et si jamais je viens là-dessus, normalement je dois pouvoir faire un truc du genre coloriser la conversation. Ouais, follow TCP stream, paf, et voilà, vous voyez, c'est assez fou, c'est, je fais juste follow TCP stream, il n'y a même pas besoin de, d'aller chercher vraiment très loin. Vous pouvez voir user, alors bon, il y a des caractères qui ont été passés en double, mais vous voyez que il y a mon login, mon mot de passe et les commandes que j'ai tapées. Et donc là, j'ai fait tout ça, donc là potentiellement, supposons que entre mon PC et un switch, et le switch pardon, il y ait eu un équipement tiers, et ben quelqu'un aurait pu faire le même TCP dump, et ensuite voir soit directement dans TCP dump, soit voir dans Wireshark après avoir capturé ouvert la capture, et ben non seulement toutes les commandes que j'ai faites, mais le résultat. Donc, non seulement j'ai le login et le mot de passe qui ont fuité, ce qui est déjà assez grave, mais étant donné que j'ai fait un show running config, j'ai aussi l'intégralité de la conf de mon switch qui a fuité. Donc, effectivement, 712 qui dit comme quoi, effectivement, aujourd'hui, quand on n'a pas un protocole chiffré, c'est ultra facile de récupérer des informations comme ça. Et Karken qui signale, du coup, tu connais peut-être pas encore la RFC 1149, hein, et elle marche aussi pour les roucoules. Alors, Roucoule, peut-être qu'effectivement, tu ne connais pas la RFC 1149. Hein, et elle est très drôle, cette RFC. Donc, les... Merci, Manu. Alors, je n'allais pas forcément chercher celui sur Wikipédia, mais je voulais d'abord montrer la... hop là. Pardon pour le micro. Je vais d'abord montrer effectivement la RFC telle qu'elle est, j'ai envie de dire, de façon très sérieuse, puisque normalement, les RFC dans le monde du réseau, qui sont en fait des documents normalisés par l'IETF, si je dis pas de bêtises, ce sont des propositions de normalisation dans le domaine du réseau et dans certains autres domaines annexes. Et ce qu'il faut signaler, exactement, comme le dit Emmanuel, et j'allais le préciser, la date est importante. Si on regarde, alors qu'est-ce qu'on a comme information? Déjà, expérimental, donc ça veut dire que c'est pas forcément un truc qui est implémenté partout, qu'il existe des errata, on a notamment la 2549 et la 6214, mais la 1149 est quand même la plus populaire. Et on voit qu'elle est indiquée ici, 1149. Et on peut voir que la date de création... 1er avril 1990. Juste pour vous signaler qu'il y a des gros comiques, même dans des organismes très sérieux comme l'IETF. Et donc, à quoi sert cette RFC 1149 qui date bizarrement d'un 1er avril? Eh bien, c'est un standard pour la transmission de datagrammes IP. Donc, si je reviens ici, on a la frame réseau, on a l'Ethernet, et là, on a notre datagramme IP. Donc l'idée, c'est de transporter donc du réseau IP avec ce qui va avec derrière, c'est-à-dire TCP et Telnet, sur Avian Carriers, c'est-à-dire un transporteur aviaire, autrement appelé un oiseau, un piaf, si vous préférez. Donc, il y a des gens qui se sont amusés à normaliser le transport de paquets IP avec des pigeons voyageurs. Pour le LOL.
Donc, effectivement, voilà. À partir de ce moment-là, vous pouvez, bon, alors, je sais pas si ça vaut le coup de vraiment lire le truc de façon très, très. Mais le document a été écrit de façon très sérieuse. Alors, c'est marrant que tu dises ça, Seb, parce que alors la page Wikipédia est assez intéressante à lire. J'aurais tendance à vous recommander plus de lire la page Wikipédia, que ce soit d'ailleurs en français ou en anglais, puisque effectivement, des gens ont réellement voulu essayer. Voilà. Il y a eu des implémentations qui ont été faites. Et en fait, merci beaucoup pour le follow. Alors, oula, ça c'est du pseudo qui est long, hein. C'est vous tentez des buffer overflow dans les nicknames sur Twitch. Crablisto muniste de la pompe. Eh ben dis donc. C'est du sacré pseudo, ouais. Ah, je sais pas, hein, c'est peut-être une tentative de buffer overflow pour des DOS Twitch. Mais c'est amusant. Il y en a, ils vont rajouter une même lettre 25 fois. Il y en a, ils vont rajouter des mots au fur et à mesure. Donc, pour en revenir à notre mise en œuvre réelle, en fait, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que les résultats furent assez mauvais. Parce qu'il y a quand même eu 55% de perte de paquets pour juste du ping. Juste pour du ping. Sur une distance de 5 km. Et un temps de réponse compris entre 3000 et 6000 secondes. Alors vous vous dites, 3000, 6000 secondes, ça a l'air beaucoup dit comme ça, mais pour rappel, hein, si je fais un ping vers justement le switch 192.168.6.213, l'aller-retour met, alors au début, faut qu'il trouve les trucs au niveau Ethernet, il met 7 millisecondes, mais vous pouvez voir que je suis dans les, voilà, 1,2 millisecondes. Maintenant, vous imaginez, on a de l'ordre de la milliseconde là en réseau local en gigabit Ethernet, et avec des pigeons voyageurs, on est à plus de 3000 secondes. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir aussi que tu as un ping performant, t'as 3 semaines. Ça doit être ça, 6000 secondes, on doit être à 3 semaines. Hein. Ce qui est assez intéressant, c'est que y a des trucs du genre, des gens qui ont essayé de mettre en place ce genre de choses-là, 3-4 jours. Ah ouais, pas mal. Pas mal, 3-4 jours. Voilà, c'est ça. J'aime beaucoup là. En 2010, il y a des gens qui ont fait, qui ont mis en place entre Skegness et la ferme du Yorkshire, donc au Royaume-Uni, un transport par pigeon voyageur avec une clé USB, je crois. Voilà, des clés USB attachées aux pattes des pigeons pour aller faire des transferts de fichiers pour montrer que dans le même temps, le téléchargement via probablement une ligne RTC ou DSL pour un fichier de 300 mégas n'en était qu'à 24%. Le haut débit n'est toujours pas assez performant pour remplir sa fonction. Voilà. Et alors, ce qui est marrant aussi, et je terminerai sur ça pour cette histoire de RFC 1149, il y a même des gens qui mettaient dans des appels d'offres pour des équipements réseau, pour des trucs comme ça, que l'équipement réseau doit prendre en charge cette RFC. Genre, il mettait dans les trucs des équipements réseau, l'équipement réseau doit faire savoir du gigabit Ethernet et il doit prendre en charge la RFC 1149. De façon à vérifier si les répondants à l'appel d'offres lisent l'appel d'offres en entier, regardent les détails et sont capables de déceler comment dire, une clause qui visiblement est juste là pour tester leur lecture. Bien. Bien, bien, bien. Et donc les RFC 2549, je sais plus laquelle des deux implémente IPv6 en fait. Parce que tant qu'à faire,
autant être moderne et même avec des pigeons voyageurs, autant le faire en IPv6. Donc à noter qu'on a quand même un auto-logout sur la série, enfin sur la console série. Et ce que je voulais faire ensuite, c'était refaire mon telnet. Bah de toute façon le telnet, bon, on a vu que ça marche, c'est marrant. Maintenant, ce que j'aimerais faire... Ah oui, c'est vrai que voilà. Tiens, on va le faire depuis le telnet. Hop, allez. Telnet, admin, paf, le mot de passe. Il est là. Voilà. Et ensuite, on va se faire un petit... alors, je crois que je suis admin. Ouais, il y a le petit dièse, donc je suis déjà admin. Donc, j'ai pas besoin de me casser la tête avec les, la gestion des droits. Donc, normalement, je dois pouvoir faire un configure terminal. Hop. Et je peux faire un IPSSH, je crois. Hop. Voilà, je dois faire un IPSSH. IPSSH. Et là, qu'est-ce qu'on a avec une authentification par mot de passe. Bah, déjà, on va activer le serveur. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit Il n'y avait rien d'autre. To enable password authentication for incoming. On va l'activer ça aussi. Hop. Et donc, normalement, je dois pouvoir reprendre... Hop. Et je dois pouvoir faire SSH. Hop. Et alors là, et c'est aussi un truc que je voulais vous montrer, il nous dit, eh, au fait, no matching key exchange method found. Une problématique que vous risquez d'avoir en achetant des vieux switches Cisco, c'est que leur système de chiffrement sont anciens. Ils sont anciens. Et donc, c'est pas toujours... activé dans des versions récentes d'OpenSSH. Je vais vous demander deux petites minutes, je dois avoir une anti-sèche quelque part pour une configuration justement qui indique quelle... remarque, est-ce que je peux pas rajouter ça en... Je dois avoir quelque part là... Et donc Seb, tu nous dis en pigeon, un pigeon vole à la vitesse de 87 km/h en linéaire. Et une bête qui va moins vite que les pigeons. Non, je me suis pas fait une conf de stream dans mon point SSH. Ah non, SSH config.d, ok. Hop. Stream.conf. Hop, voilà. Donc, host, on l'a appelé comment notre switch? On l'a appelé apart swlab 0. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait fait la réflexion que le numéroté était peut-être pas forcément une bonne idée, vu que je vais pas en rajouter 25. User, non, hostname d'abord. Hop, hostname. Donc on a dit 192.168.6.213. Et ensuite, user admin. Hop. Et ensuite, et bien ensuite, ça doit être. Il nous avait dit quoi? Il nous avait dit quoi quand on l'avait... hop. Nommé zéro phare. Hop. Et faut que je lui dise KX algorithme, je crois. Algorithme. Hop.
si je tente ça, est-ce que ça passe? SSH apart SW. Hop. SW lab 0. Non plus. Alors mon anti-sèche elle dit quoi? Elle dit d'utiliser ça je crois. On va essayer comme ça. Hop. Hop. Est-ce que ça passe? Non, toujours pas. Alors. Est-ce que c'est celui-ci que j'avais utilisé? Ah, salut Bilouret! J'espère que ça va, j'espère que t'as passé un bon week-end. Hop, alors. Je crois que c'est un peu la même chose. Hein. Si ça se trouve, mon OpenSSH est tellement récent qu'il va falloir que j'aille me connecter sur un autre truc pour passer dessus. Ouais, il a pas l'air d'aimer. Ah, attends, j'avais bien... Celui-là, c'est bon. Groupe 1, Shawan, ok, bon. Ah, donc ça, c'est... Est-ce que j'ai... Hop là. Ouais, non, c'est ça. C'est bien ça que j'avais comme... comme anti-sèche pour le chiffrement pour ces machines-là. Je suspecte que... ouais, ça parle de RSA. Il nous dit quoi? SSH RSA, SSH DSS. Je dois pouvoir les mettre... Alors attends, c'est les ciphers qui dit... No matching host key type found. SSH RSA, SSH DSS. Je sais pas si je peux les rajouter là. -RSA. SSH-DSS. Non plus. Hop, donc c'est plutôt de l'autre côté. Non plus. Alors. En train de me poser la question si j'ai pas une un souci. Ouais, mais de fait, je l'ai Hey, salut Fixou, salut Fixou Lab, merci beaucoup pour le sub, merci beaucoup, et c'est ton troisième mois, dis donc, merci. Tiens d'ailleurs, l'ami Fixou Lab, vous pouvez le follow, hein. Shootout Fixou Lab, hop. Il s'amuse avec des consoles rétro, et c'est un plaisir, En ce moment, je crois que tu fais joujou avec de la... Mince, une Neo Geo, hein, c'est ça, Fixoulab? Je t'en prie, ça me fait plaisir. On avait fait un super stream grâce à Fixoulab. Il y a eu un jeudi soir où on a réussi à démarrer un Linux sur une PlayStation 2. Je me garde toujours dans un coin de la tête d'essayer de repartir sur cette base-là. Et de faire d'autres trucs avec, genre que ce soit du NetBSD ou un Linux plus récent. Ça pourrait être amusant. Mais ça risquerait de prendre beaucoup, beaucoup de temps. donc là, en fait, j'ai les crypto policies de l'OS.
Je vais tenter un truc à la con. Je vais tenter un truc à la con. Je vais démarrer ce réseau là. Hop. Et je vais aller démarrer cette bécane. Plutôt celle-ci, tiens. Hop. Pas de soucis, Seb. Bah, occupe-toi bien de la descendance. Merci beaucoup d'être passé. Et puis, bah, n'hésite pas à regarder le replay si tu en as envie. Bonne soirée à toi. Et encore, merci d'être passé. Hop. Alors. Tac. Oh, bah dites donc, c'est la soirée des subs. Merci beaucoup. Salut Alain. Et merci pour ton sub. Oh, et puis 8 mois en plus. Oh, la classe. Ah, vous êtes adorables ce soir. Plein de love sur vous. Je vous bénis jusqu'à 42 générations. j'en étais où, moi? NB test 93. Ah bah oui, forcément, vu que la config est mal fichue, il est pas content. Allez, on va mettre ça en commentaire. Tac, 6. Voilà, mieux. Maintenant, si je tente un ping vers 168.6.213. Ok, ping. Hop. Je suppose que si je tente un telnet, ça passe. Voilà, ça passe. Et maintenant, on tente un SSH. Et effectivement, il n'en veut pas non plus. Alors, ici j'utilise mon anti-sèche à nouveau. Hop. On va l'appeler host. Donc on a dit que c'était. Hop, bah tiens, on va copier. Hop, t'es où? T'es là. Hop. On va refaire un petit peu l'indentation si ça ne vous embête pas. Hop. Voilà, allez. Et donc on dit apart-lab0. Ah, il en veut toujours pas. Mais dites donc. C'est fou parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'arrive encore à me connecter à ce genre d'appareil. Qu'est-ce que. J'ai un autre truc, je crois. Alors. A priori, ce serait sur la. Ah, c'est sur l'acceptation des clés publiques. C'est pour ça qu'il chouine encore. Donc, si je lui dis ça, et que je lui dis ça, si ça se trouve, ça va passer. Et si ça se trouve, je pourrais peut-être même mettre la même chose. Non, toujours pas. Bad configuration, option. Qui a accepté l'algorithme. Ouais, link 4, c'est bien le pub qui gagne. Donc ça, il est. Ok. Ligne 6 et les mauvais algorithmes en. Merci beaucoup pour le follow, Erwan Explorer. Merci à toi. Hop là. Est-ce que j'ai laissé les SSH et RSA dans la mauvaise ligne? Bonne question. On va revérifier ça tout de suite. Et oui, effectivement, j'ai laissé les SSH et RSA dans la mauvaise ligne. Bien vu, Vinichor. Hop, on les enlève. Une configuration mauvaise. Hop. Alors, on va réessayer ça. J'ai dit dièse. Ah là, c'est plutôt bon signe. Je vais revenir, hein, ici. On va enlever ça.
Hop. Donc là, il est pas content, mais c'est justement parce que... Alors, no address. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? 6213. À part-swlab0. Ah, j'ai mis à part-lab0. Allez, swlab0. Oui! Voilà! Voilà, là je suis dessus. Et là. Oui, bon, alors là, forcément, l'adresse IP ayant été réutilisée plusieurs fois. SSH keygen moins grand R. Et on va faire sauter l'IP. Hop. Voilà. Donc. On revient par là. Hop. Très bien, allez, maintenant qu'on a réussi à débugger, là je peux faire exit, là je peux faire un power off, et on peut revenir, donc ça c'était, voilà, là on est en SSH, je ne vais pas vous refaire le TCP dump avec le SSH, hein, parce que c'est un peu, mais en gros, je vais quand même revenir ici, on va faire un petit cat de .ssh, SSH config.d string.conf. Si jamais donc vous avez un équipement de ce type, hein, donc un SG300, que vous voulez vous y connecter en SSH, il va falloir activer certains chiffrements un peu anciens. Et donc en gros, il y a l'acceptation des algorithmes RSA pour la clé publique et la host key. Et les KX algorithmes, mettre des trucs un peu anciens avec du SHA-1 en fait, et un peu de Diffie-Hellman, et des trucs un peu de l'AES 128 et de l'AES 100... Ah, en CTR, ouais, bon. Ok. Donc voilà. Je laisse quand même ça un petit instant, comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui à un moment voit le replay et fait « Ah tiens, c'est ça qui m'intéresse !» Paf, tu peux mettre pause. Il n'y a pas de souci. Bien, 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 bien. Maintenant qu'on est dedans, si je fais un copy run start, ça passe. Hop, run start. Oui, hop. Et donc en théorie, voilà, vous voyez, là il nous a envoyé plein de trucs. New telnet session, nanana, over console, over telnet. Donc mine de rien, on a quand même des messages sur la console série locale, toujours, même si on est connecté à distance en SSH. Je peux refaire un show run. Hop, et là, on voit dans le show run quand même. On a donc IP SSH server. Alors, je l'ai mis en autant par mot de passe. Je peux le rajouter en autant par clé publique. Je le ferai pas en live. Mais voilà. Alors, on en est pour le moment à ce niveau-là. Alors, parmi les trucs que j'avais envie de faire joujou avec, mais c'est vrai que mine de rien, on a fait pas mal de bidouilles juste avec l'accès. Oh, j'ai une idée. On s'est amusé avec Telnet. Je tenterais bien de faire la même chose en HTTP. Vous savez, de sniffer le mot de passe via la console HTTP. Ça pourrait être drôle, non? Qu'est-ce que vous en dites, hein? Et un autre truc qu'on pourrait voir aussi, c'est que vous remarquez que je laisse passer le truc encrypté du mot de passe. Je crois qu'en fait, si on fait Cisco reverse encrypted password, je crois
crois qu'il existe des sites ou des trucs comme ça. Cisco Typeset Password Decrypt. Voilà. Allez. Alors bon, je vous préviens tout de suite. Le... Hop. J'ai mis un mot de passe bidon, c'est une machine dont je m'en fiche. Ce genre de choses-là, on évite de le faire sur un site qu'on ne connaît pas. Hein. Surtout qu'il a pas l'air d'être capable de le décrypter. Ah oui, parce que c'est pas un... Il a pas le... Pourtant, ouais, j'ai ça, username, nanana, avec le MD5. Ok, lui, il n'y arrive pas. Type 6. Password recovery. Je vais taper SG300, on verra bien. Hop. Bon, iOS XE, à mon avis, c'est un petit peu plus... Faut le faire sur le site du FBI, bonne question. Non, 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 il n'y a pas besoin. Donc ça, c'est les trucs un petit peu plus complexes. Enable. Tac, tac. Step by step procedure. Ah non, ça c'est recovering. Ah, ils sont pas en train d'expliquer. Ah non, ils sont en train d'expliquer comment comment remettre un mot de passe sans écraser la conf. Celui-là n'est pas déchiffrable, nous dit. Ah bah tiens, bienvenue d'ailleurs. Il n'est pas déchiffrable celui-là. Ok. Eh bah tant mieux. Tant mieux. Je pensais qu'il l'était. Je pensais qu'il l'était. Village 15. Hop. Je regarde quand même un instant, on sait jamais entre temps. Bon, il y a quand même des informations pour. Bon, forcément, le remettre aux paramètres par défaut. Recovering. Mais ça nécessite malgré tout un redémarrage du switch. Hein. Donc ça se fait pas... Ah oui d'accord, il y a une procédure. Nickel. Oh, parfait. Et ensuite, ouais, copy startup running. Ok. Et le mec, il poste son... son hash comme ça, hein. Il a pas peur, hein. C'est ça, effectivement, il y a du recover password. Ok, et eh ben allez, on va retenter le TCP DAP, mais on va le faire cette fois-ci. Alors, hop, et cette fois-ci sur le port 80. Mais avant, peut-être falloir qu'on active. Alors, hop, on va refaire un petit nœud. Alors, secure serveur. Et IP HTTP serveur. Voilà. Donc maintenant, je peux revenir ici. 192.168.6.213. Hop. Voilà. Là, on est dessus. Tiens, il ne me met pas Secure Browsing. Donc en fait, par défaut, de ce que je vois par rapport au truc, par défaut, quand rien n'est indiqué, il nous met l'interface web en HTTPS. Uniquement en HTTPS. C'est bon à savoir, ça, tiens. Donc, maintenant que je suis là, on va revenir ici et on va l'appeler http.pcap. Donc là, je suis dessus. On va faire un petit... Voilà. Admin. On va mettre le mot de passe. Hop, login. Il a fait le processing data. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Tiens, IP configuration, IPv4 management, security, SSH server, user authentication. Voilà. Donc on a réussi à se balader sur quelques pages. On va arrêter. Oups.
T'es passé ouf. On va arrêter notre TCP dump. On va reprendre Wireshark. On va ouvrir un nouveau fichier. Hop. Il est là. Hop. Donc on a la même, hein, je vous refais pas toute l'explication. Et on commence à avoir de l'HTTP. Donc on va faire clic droit. Et on avait dit que c'était le follow HTTP stream. Paf. Fantastique. Username admin. Session ID. Alors là, j'ai pas l'impression qu'on le voit facilement. Hein. Un truc que je voudrais vérifier tant qu'à faire, on va faire un petit logout. Hop. Forcément, il me dit eh, au fait, est-ce que tu veux vraiment? Oui, voilà. Et on peut aller regarder sur la chaîne. Hop. La chaîne de caractères. Si je cherche password. Hop, on va zoomer un peu. Il fait un get public. Attends, c'est du JavaScript tout ça. Il nous fait quoi le truc? Il nous balance du JavaScript. Un P majuscule. Alors, on va le chercher. Hop, password 2 points. Et respecter la casse. Hop. Non. Ah, c'est le log of page que je suis en train de regarder. Donc on va revenir sur la page de base. Non, c'est pas comme ça. Pourtant, si je fais un... C'est bien ça. Ah, mais j'ai mis 102. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah ça, on a le code JavaScript qui est là. Ok. A priori, il est pas récupérable en clair comme ça facilement. Hein. Donc c'est plutôt rassurant. A priori, il a l'air de vouloir faire un truc de chiffrement avec du JavaScript, si le navigateur le prend en charge. Il met quand même avec une clé RSA. C'est plutôt rassurant, ça me rassure un peu sur l'interface web, sur l'utilisation. Ça c'était quoi? Ça c'était le follow HTTP, et c'est quoi qui traîne là? Ah oui, ça c'était le telnet. Donc c'est un petit peu plus complexe, mine de rien. Hein. Ah oui, c'est vrai que j'essayais de revenir sur l'interface... Ah oui, mais on revient quand même en log off. Ok. Donc, on a vu les JavaScript, les trucs comme ça qui sont dedans. Est-ce que je refais un scroll de points? Ah, je l'ai même pas. C'est bizarre, il doit faire des techniques de Sux pour les... On est d'accord que là, ouais, je suis au niveau de ça. Follow. Ah oui, je suis en TCP. Là, en HTTP.
Ah oui, mais en fait, get, ok, go ahead. J'essaie quand même de voir, hein, parce que bon, je veux pas m'avouer vaincu dès le début. Ouais, non, ça reste la même chose. Oui, vu que je follow tout le stream, en fait, enfin, le stream, je veux dire, Wireshark me fait suivre, en fait, toute la conversation en HTTP. Donc, en fait, j'ai l'intégralité de la page. Mais, en fait, ce qu'il me faudrait, c'est quand je suis lui, est-ce que je peux faire un follow TCP stream? Oui, on met quand même de l'HTTP. Find next. Non. Putain, stream. Ah non, mince. Pas bon. Hop. Parce que j'aurais aimé voir. Là, je suppose que c'est la même chose. Hein. Parce que la donnée qu'il envoie, il envoie un cookie. Il envoie un session ID. Ah, il y aura peut-être moyen de faire de la réutilisation de cookie. Mais j'ai pas forcément tous les outils installés sur la machine pour ça. Donc autant en Telnet c'est trivial, autant visiblement l'interface web elle a été un peu, comment dire, elle a été un peu durcie, on va dire. Alors, je sais pas si je peux zoomer le texte, non j'ai pas l'impression. Une clé publique qui est utilisée. Ouais, ça doit être ça, c'est qu'en fait le mot de passe est chiffré avec la clé publique qui est fournie. Et forcément que seule la clé privée peut déchiffrer le message et la clé privée est dans le switch. Set cookie, session ID, username, first welcome banner. Il y a peut-être moyen effectivement de faire de la réutilisation de cookie pour essayer de s'authentifier à la place de la personne légitime. Mais forcément si le. Honnêtement là, si le mot de passe est. Et chiffré avec une clé publique, je vais pas pouvoir faire grand chose. Ok, c'est intéressant quand même, hein. Je sais pas vous, mais j'ai trouvé ça assez instructif. Hop. Alors. Bien, bien, bien. Alors, l'autre truc que je voulais essayer, mais c'est vrai que est-ce qu'on aurait le temps de faire Mumuse avec les VLAN. Alors, si je fais un petit show interface status, hop, on a donc. Ici, on a notre interface fibre qui est branchée. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire. Hein, alors, si je reviens ici, là, je suis sur la machine Marvin. Et vous voyez que j'ai tapé la commande IP-Link.
Et sur la commande IP Link, on a plusieurs interfaces. Bon, là, le loopback, ok. On a cette interface-là qui est up. C'est l'interface par laquelle je me suis connecté en SSH à la machine Marvin. Et on a deux interfaces. On en a trois autres. Plus les trucs de virtualisation. Et on peut voir qu'il y a à chaque fois écrit No Carrier Broadcast Multicast Up. Ils sont bien down. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par aller ici. Donc j'ai fait, je vais faire un configure terminal. Et on va dire interface gigabit Ethernet 1. Et là, je vais faire un shutdown. Et donc, si je refais un. Si je reviens ici, je fais un show interface status. Donc là, on est down. Et. Voilà, là ça s'est branché. Là ça s'est branché et donc si je refais un IP-Link, on n'a rien du tout. Maintenant, je reviens ici, je refais un choix interface status, il n'y a toujours rien. Hop, et là je fais no shutdown. Et en toute logique, on devrait pas tarder à avoir notre interface qui monte. Enfin, j'espère. Celle-là. Non, toujours down. C'est peut-être l'autre. Voilà, les trois. Hop, alors laquelle est passée up? Aucune. J'ai peut-être pas branché comme il faut. Alors, j'ai branché les deux autres, ça fait clic-clic. Up, up, down, up. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le giga 1. Ah, la giga 1, elle est toujours pas branchée. Bizarre. Est-ce que ce serait pas sur le... côté du PC. Je vais regarder ça deux minutes. Hop, voilà. Alors, est-ce que entre-temps... 1, 2, 3, hop, voilà. Donc... si je reviens ici, je dois avoir 1, 2, 3, 4 qui sont up. Cool. Donc ça, c'est chouette. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais retourner. Ah oui. Hop. Là, maintenant, on va faire un shut. On va aller sur la 2, on va faire un shut. Voilà. On va aller sur la 3, on va faire un shut aussi. Alors, salut, tu dois le savoir, mais en mode configure, tu peux utiliser le préfixe do pour exécuter des commandes en mode standard sans sortir du mode configure. Je t'avoue que je l'ai vu, mais je m'en souviens jamais. Le truc bien chiant, par contre, c'est que la complétion ne fonctionne pas. Ça va être pour ça que je l'utilise jamais. Je l'ai su, je l'ai oublié, je l'ai reçu, je l'ai re-oublié. C'est pas forcément le truc que j'utilise le plus souvent. Donc, ce que je vais peut-être même faire, c'est... tiens, on va refaire un do show inter statut. Hop, voilà. Et... ce que j'aimerais faire,
c'est carrément lui dire 1 tiret. Je sais plus, je crois qu'on peut faire ça, hein. 1 tiret et on va aller jusqu'à 26. Bad parameter value. Ah zut. On peut pas faire bizarre, je croyais qu'on le pouvait. Ah, c'est peut-être pas les mêmes. Peut-être sur les catalystes, on peut. Parce que là, on est quand même sur un small business. Alors, je vais pas me refaire bon, je le referai hors stream hein, pour shut toutes les interfaces sauf celles qui m'intéressent dans l'immédiat. Par contre, ce que j'aimerais vérifier, c'est que maintenant, ici, voilà, tout est passé down. Et donc, ce que j'ai envie maintenant, c'est d'essayer d'identifier quel câble est branché sur quelle interface. Donc, je vais commencer par refaire... je vais me remettre sur la 1. Et je vais faire un no-shut sur mon Linux. Ici, si je fais un IP-link, on a up là. Et on a... Ah, c'est la... Tiens, c'est la 2 qui est en up. C'est pas la 1, c'est la 2. Ah, intéressant. Intéressant. Alors, ce que je peux faire, c'est documenter le truc, entre guillemets. Là, on est sur l'interface gigabit Ethernet 1. Je peux faire un desk et on va dire Marvin ENP4S0F2. Ah, il aime pas. Ça va être l'espace qu'il aime pas. Hop. Voilà. Ensuite, je vais refaire un shut. On va se mettre sur l'interface 2. On va faire un no shut. Hop. Et on revient ici. Et c'est la S0F1 finalement qui est là. Voilà, on la rechute, on passe sur la 3, on no shut. Alors en théorie, on devrait savoir que c'est déjà la S0F3, mais dans le doute, c'est bien la S0F3. Hop. Et on peut refaire un shut. Donc, à partir de là, je vais faire un copy run start. Ok. Alors, tout est down, ça c'est normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va créer un VLAN. Allez, configure terminal. Et parce que là, en fait, alors attendez, si je fais un, si je retourne dans l'interface gigabit Ethernet 1 et que je fais un no shut, que je reviens ici, IP link, voilà. Et si je fais un IP addr chaud, on va faire un moins 4 moins haut, voilà, on a la ENP4S0F2 qui se prend une nouvelle IP vu que par défaut les interfaces passent en DHCP quand elles sont pas configurées, en tout cas sur Fedora, et que j'ai un serveur DHCP dans mon LAN, donc forcément il prend une nouvelle IP. Moi ce que j'aimerais, c'est avoir un deuxième réseau qui est un peu, on va dire, isolé. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais refaire un shut. Voilà. Ensuite, on va revenir, configure terminal, et j'ai un petit trou de mémoire sur les VLAN. VLAN, hop. VLAN 13, tiens. Ce sera marrant. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans les VLAN 13? Hop.
Je sais plus s'il faut pas que j'ajoute l'interface au VLAN 13 en fait. J'ai un port subcommande. Ah mais là c'est... en fait je suis dans le... Non je suis directement dans le VLAN. Ah j'ai un trou de mémoire, la honte. Fort heureusement il y a la documentation. Merci, excuse-moi Xavier. Port management. Non. Spanning tree, ça on verra après. VLAN management, hop. Alors, ajouter un VLAN. Donc ça c'est le VLAN par défaut. Ah mais en fait, clic VLAN, non, mais non, mais non, non, juste non. Je vais pas le faire en... Je vais pas le faire en... Alors, téléchargement, documentation. Qu'est-ce qu'on avait ? C'était quoi, c'était un quick start guide ce truc? Administration guide, ok. Starting the web, ah oui d'accord, donc il est vraiment en web-based. Administration. SSH server. Access control, ok. Exemple et note technique de configuration. Hop, voilà. Je savais bien que j'avais raison de vouloir réviser ça. Par contre, ils ont tout mis dans les pages web. C'est un peu dommage. Ah oui, VLAN database. Ok, hop. Allez. Donc. VLAN database. On dit VLAN 13. End. Ok. Et ensuite, show VLAN. Voilà, j'ai mon VLAN qui est créé. Alors, hop. J'ai mon VLAN qui est créé. Et maintenant, je vais pouvoir aller faire un petit conft interface. Interface, ça va être la giga 1. Et on peut lui dire VLAN 13. Tac. Je vais la mettre en douchette. Et si je fais un show inter status, ah voilà. Donc on peut voir qu'elle est up. Mais si je reviens ici, normalement. Alors bon, il. Je vais refaire un petit IP link. Hop. Set. Voilà. Celle-ci en down. Ok. Avec sudo, c'est mieux. Et normalement, up, down, down mode default. Hop, elle est nouveau up. Par contre, elle doit plus avoir d'IP. Ah tiens, il a gardé la 6208. Malgré tout. Ça me surprend, tiens. Ça me surprend comme... je pensais qu'il aurait dégagé le...
Je pensais qu'il aurait dégagé le truc. Pouf, pouf, pouf. Je me suis trompé de. Bon, il me manque un truc. Attribution d'un port, confeté. Hein, switch port mode access. Ok. C'est ça qui me manquait. Hop. Et switchport access VLAN. Voilà, c'est ça. Hop, access VLAN 13. Et normalement, on avait déjà mis en no shut. Donc là, si je refais mon down et je fais mon up, bon, il l'a toujours. Il est up, ok. Et ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir faire maintenant un do show run inter giga 1. Voilà, cette fois-ci on a le truc. Je me demande s'il n'y a pas moyen de mettre le VLAN natif aussi. Voilà, facultatif, bon, show VLAN. Et là, c'est bon, on a bien le port gigabit 1 qui est dans le VLAN 13. Bon, ça, sur les histoires de trunk, on verra ça une autre fois. Hop là. Bon, après, j'ai un moyen de... J'ai un moyen de lui dire, allez, on va re... comment dire? Ah non, là, c'est bon, vous voyez, il l'a perdu, ça y est, il a fini par... J'allais dire, sinon, on reboot la machine, mais quand même. Ce qui pourrait être amusant maintenant, c'est d'aller configurer l'interface. Interface VLAN 13. Hop. Et on doit pouvoir lui dire IP adresse 138.168. On va mettre 130 par précaution. Point 0. Ah, on peut faire un slash 24. Ok. Paf. Notre paramètre value. Ah, 255.255.255.0. Bad paramètre value. IP adresse, ouais, je la lui donne. IP subnet. Ah, mais alors attends. Hop. Non plus. Et si je la tente comme ça. Ah oui, d'accord, il l'a passé sur un... Donc, si je reviens ici... C'est bizarre, j'ai pas la config... J'ai pas la config de mon port. Enfin, pas de mon port, mon interface LAN, VLAN.
Ah, ça y est, le revoilà. Ok. Ok. Alors, de toute façon, on l'avait fait tout à l'heure. Petit config. Ok. IP adresse. Je disais bien 192.168.130. On va dire point 1. Ah, c'est peut-être, j'avais fait 1.0. Ah, plus encore. Ah là là. Il doit détecter que ça passe pas, mais il faudrait que je change l'interface de management, mais je veux pas forcément. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ici depuis l'interface série? Configure terminal. Interface VLAN 13. Ah voilà, là par contre ouais, il me met bien interface 13, hein. Ok. Là il a coupé. Voilà. Est-ce que si je retourne dans l'interface ce qui m'intéresse, c'est le SSH. IP, SSH, password. Alors à la limite, ce qu'on peut peut-être faire, c'est refaire. Alors, interface VLAN 1, et on va lui dire, on va lui faire une IP, 168. On va lui 6.6.213/24, adresse. Ah, ok, j'avais fait un 25. Hop. Voilà, yes. Donc l'interface VLAN 1. Alors attends, il me met qu'une...
Il m'en met qu'une? Donc on avait dit 130.1. Donc en fait il me limite à une seule IP d'interface en fait. C'est dommage parce que j'aurais aimé pouvoir faire un ping sur le switch, donc ça veut dire qu'il va falloir que quand je vais créer mon VLAN, il va falloir que je m'arrange pour avoir deux machines. C'était pas forcément un truc que j'avais prévu. Bah oui, c'est des switches bridés, tout à fait PPI. J'avais pas forcément vu ça. J'avais pas forcément vu ça. Comment est-ce que... Bon, et ben c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Pour l'instant, on a. Alors. On va rester comme ça. Et ce que je vais rajouter. On va refaire un showrun. Pour le moment, on a. Faire pareil, on va faire. Hop. On va mettre les trois ports dans le VLAN 13 pour le moment. Et hop. Tiens d'ailleurs, j'ai oublié un truc. En GI2, on va faire un no-shut. En GI3, on va faire un no-shut aussi. Et alors, je pense que je le ferai hors stream, mais je vais shutter toutes les autres interfaces, sauf la 27. Parce que c'est un peu celle qui nous permet de... Mais comme ça, on va pouvoir, je pense, lors du prochain live... lors du prochain live, faire... En fait, ce que je me dis, c'est que je vais mettre des VM. Hey, merci beaucoup pour le follow, Koulax. Merci beaucoup. Ce que je me dis, c'est qu'on pourra ensuite, en fait, avoir les interfaces suivantes, là, les autres interfaces, les mettre, en fait, dans ce VLAN-là. Alors, pas forcément depuis la machine physique, mais vous voyez qu'on a des VirBR 0, VirBR 16. On va peut-être envisager de faire des VM et de les attribuer directement dans le VLAN. Ça pourrait être marrant. On pourrait, genre, attacher les... Ah, quoique... Est-ce que je peux ça? Je suis peut-être en train de vous raconter des bêtises. Si jamais je crée une nouvelle VM, là tout de suite maintenant sur New Marvin. Si je fais New... Hop, on va prendre une Fedora serveur par exemple. Hop, Fedora, Aeroide, c'est pas grave. Tac, tac. Ça, je suis d'accord. Custom. Finish. Donc là, si je vais au niveau de l'interface, on a des réseaux virtuels, on a un bridge, on a un Mac VTAP. Et si je fais ajouter hardware, network... Ouais, donc ça, ça va être des interfaces virtuelles. Mais j'ai normalement du PCI host device. Est-ce que les quatre interfaces réseau sont sur le même host device PCI? Faut-il activer le routage pour mettre des IP au VLAN? Bonne question de Cap35. Je pense pas. Non, je pense pas.
Tiens, je vais tester tout de suite avec celle-ci. Si je fais ça. Alors à la limite, ce que je peux faire, je vais faire un cancel. Voilà. Et on avait déjà une VM prête, une VM Fedora quelque part. Celle-ci, FWL test SRV. On va lui rajouter tout de suite une interface. En allant dans PCI host device. Et j'ai dit que je voulais rajouter la ENP4S0F3. Voilà. Je démarre la VM. Et là, normalement, voilà, ça y est, j'ai ma EN. Voilà, j'ai les trois, mais il m'en manque une. Vous voyez, la 5 a disparu. Je l'avais tout à l'heure. Enfin, a priori, c'était peut-être pas forcément la 5. Tac, tac, tac. Save 0. Si je fais un sudo DMESG, je devrais voir que... Voilà, removed. Alors parce que j'ai activé... Ah tiens, j'ai gardé ces trucs-là. Il faudrait que je les remodifie, ceux-là. Mais j'avais la UMMU d'activer pour pouvoir... alors... Donc j'en ai bien une en 122 quelque chose et une qui est up. Salut Inxe ou Inxe. Si encore t'avais mis un S à la place du E, j'aurais pu faire Inxs comme le groupe. C'est peut-être Inxi d'ailleurs. Donc là j'ai une première machine dans le VLAN. Enfin dans le VLAN. Ceci est. Non attends. Eh mais je peux tenter un truc. Normalement il a pris l'interface physique. Donc je peux faire un IP ADDR. Ok. Alors, peut-être essayer de zoomer un peu quand même, histoire qu'on y voit quelque chose. Remarque, si la machine est en 122 quelque chose, je peux aussi faire ça, et 168.122.122. Hop. Ouais. Voilà. Et ce qu'on peut peut-être tenter de faire, c'est faire un IP. Alors, ce que je voudrais, c'est associer une IP à l'interface ENP7S0, à la limite. Est-ce que j'ai un NMTUI quelque part? NMCLI, NMONLINE. J'ai pas NMTUI, tiens. Add dev. On a dit ENP7S0. Non, attends, c'était quoi? ENP. ENP. Et je suppose qu'il faut lui mettre une IP. Voilà, IP link dev. Ah, il me l'a mis en up. Il m'a mis en up. Et donc si je fais un IP4-O, j'ai dit -O ADDR show, j'ai ça. Ok, donc maintenant je vais aller dans le switch. On va prendre plutôt la console série. Et on va dire YOLO, hein, on va mettre une IP dans le VLAN 13 et puis ça va faire sauter celle du VLAN 1, mais c'est pas grave. FT VLAN Inter.
interface VLAN 13. Et je disais IP adresse. Et on a dit que c'était 130.1. Tac. Oui. Voilà. Et maintenant, si je viens sur ma machine là où j'ai ajouté mon IP, si je fais un ping vers la point 1, ça ping. Ça ping. C'est cool. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est revenir ici. Je peux faire un ping vers... Ah mais non, je suis dedans. Du ping. Hop. 30.2. Et on a le truc. Alors je sais que c'est un peu bizarre. Mais donc, ce que j'ai réussi à faire, c'est avoir une interface physique allouée à une machine virtuelle. Ce qui est assez... ce qui est possible, parce que c'est toujours assez marrant d'avoir l'interface physique associée à la VM. Et l'interface du switch étant dans le VLAN 13, j'ai pu mettre mon IP, faire des IP, enfin mettre des IP ensemble dans le même réseau. Et ça communique. Et c'est plutôt cool. Et je pense qu'on va en rester là pour le moment. Et pour un prochain... non, c'est bon, je t'ai répondu salut, j'avais oublié. Mais ça va être... je pense que ça va être plutôt sympa pour la suite, pour pouvoir utiliser en fait les interfaces qui restent, les ajouter à des VM ou les retirer, et faire des trucs assez marrants. On pourra même se dire, tiens, je mets une interface... une interface dans des VLAN différents ou se faire un routeur avec une seule interface réseau, ça peut être marrant. Bien, et ben on va en rester là pour ce soir, parce qu'il est déjà 20h23. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de projet. Je fais Mumuse pour essayer de rester... comment dire, pour éviter de perdre la mémoire, ce que j'ai déjà fait un peu, perdre la mémoire, sur les commandes Cisco, en fait. Et à la limite, ce qui m'intéresserait, si on peut appeler ça un projet, c'est pourquoi pas, dans les prochaines bidouilles que je vais faire avec ce switch, ça pourrait être de faire de l'agrégat de cartes réseau, justement. Donc... Et en fait, pour le moment, l'idée de mettre en place des VLAN, c'est juste de pouvoir segmenter le réseau, enfin les réseaux, de façon à ce que je fasse pas des bêtises sur le même réseau sur lequel depuis lequel je stream. Alors tout à fait, le switch est physique. Tiens, tu sais ce quoi, tu sais ce qu'on va faire, je vais passer comme ça, voilà. Et hop, le switch il est alors hop. Tu vois ici, il y a deux switches. Donc il y a le switch du haut qui est un HP, il y a le switch du bas qui est le Cisco sur lequel on a manipé. Et si je, hop, si je bouge un peu et qu'on va là, voilà, il y a plein de câbles réseau dans tous les sens. C'est un vrai spaghetti, mais on peut voir, le Cisco est allumé. Hop, voilà. Allez, hop, toi tu reviens par là. Hop. Tac. Vive LLDP. Ah, salut Ludolpif. T'arrives pour la fin. Allez, hop. On va repasser comme ça. Donc, on s'est bien marré. Non, on est bête. C'est toujours pas un modem 33K. Alors. Merci à toutes et à tous, d'ailleurs, d'avoir suivi mes aventures du jour. Le mois de juin est un peu chaotique, donc je vais pas vous dire on se retrouve même jour, même heure, ce genre de choses là. Cookies, possible de le mirroring de porte sur ce switch? C'est une excellente question et ça fait partie des choses que j'aimerais bien tester au passage. Ça pourrait être marrant. Habituellement, je stream les dimanches de 18h à 20h. Bon, là, j'ai un petit peu dépassé. Et je stream aussi, habituellement, les jeudis de 20h à 22h quand j'ai pas un gros coup de fatigue. Le mois de juin est un peu particulier. Je vais avoir des indispos
je vais les signaler normalement sur le Discord que vous pouvez retrouver ici. Et sinon, vous pouvez faire point d'exclamation socials, hop, comme ça, pour pouvoir avoir la liste de mes réseaux sociaux si vous voulez qu'on discute en dehors des lives. Et ça vous permet au passage d'avoir le lien cliquable pour le Discord. Ou alors, vous pouvez faire point d'exclamation Discord, hop, et vous avez directement le lien vers le Discord. Alors, ce que j'essaye de faire quand je stream les deux jours, donc les deux fois par semaine, c'est d'avoir un projet différent par jour. Donc en ce moment, le projet du dimanche, c'est de faire Mumuse avec, avec du Cisco. Et le projet du jeudi, ces derniers temps, c'est de faire Joujou avec des distributions BSD de type Firewall, donc du PFSense, du OpenSense, du DinFi, ou Linux, avec IPFire notamment. Justement, on avait... Bon, je ne sais plus qui c'est qui avait rappelé IPFire tout à l'heure, je crois que c'était Xavier. Et donc de voir un peu les différences entre les différentes distributions, voir comment elles sont... parce que pour ce qui est de PFSense, OpenSense et DinFi, c'est des forks les uns les autres. Donc, ce serait marrant de voir quelles sont les, entre guillemets, les différences, qu'est-ce qui a pu causer ces forks, en fait. Je crois que j'ai fini. On va aller se faire un petit raid pour finir. J'ai l'habitude... Oula, Ludolpif qui nous rajoute un dernier petit message avant qu'on y aille. Sur les switches microtiques à 50 balles, il y a un protocole TZSP qui permet de faire comme un port mirroring en moins dangereux. Renvoyer en UDP des trames vues sur un port. Wireshark sait nativement les analyser. Déjà débugger des trucs à l'autre bout du monde avec ça. Hein, marrant. Marrant. C'est marrant. C'est vrai que effectivement, un port mirroring, ça peut parfois être un peu risqué. Si on arrive, si on n'arrive pas à le mettre en place du premier coup. C'est pour ça d'ailleurs que j'en profite pour maniper sur un switch sur lequel je sais qu'il n'y aura pas de soucis. très bien. Et ben donc je disais qu'on allait se faire un petit raid chez l'ami Adrien de Linux Trix. Donc, comme d'habitude, moi je vais mettre la page de fin de live. On se retrouve normalement jeudi, si je dis pas de bêtises, si j'ai pas d'indispo. Mais voilà, je vous indiquerai dans le Discord. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à rester pour le raid. Ciao, ciao.